Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en plein été, nous sommes le 2 août et je me remets à Minecraft. Alors, voyons voir ce qu'on va faire aujourd'hui. Notch Love Ez, c'est une déclaration qu'il fait à 1 million de personnes. Bon, d'accord, Notch Love Ez. D'ailleurs, ils vont se marier, je sais pas si tout le monde le sait. Ez étant la fiancée de Notch, notre cher créateur de Minecraft. Donc, aujourd'hui, on va faire. Une petite map aventure, enfin un bout de la map aventure parce qu'elle me paraît bien longue. C'est Mic Map Parcours Aventure. C'est une map aventure qui a été faite par des petits français. La plupart des map aventures sont écrites en anglais, les panneaux en anglais et tout. Celle-là est en français. C'est pas que je suis particulièrement nationaliste ou patriote, mais bon, ça peut être intéressant de voir ce qu'on peut faire dans notre chère France. J'ai lu que la map faisait 66 niveaux, si je ne me trompe pas. On ne sera sûrement pas en entier. Commençons. Ne pas détruire rajouter de blocs, jouer en piste full pour les débutants, normal pour les pros. Bon. Piste full, ça va. Je connais pas la map, donc voilà. Les coffres, parfait. On va prendre tout ça. Bon, mon skin c'est Mario, faudrait que je le change parce que j'ai trouvé ça rigolo une seconde, mais bon. Voilà. Les pommes ça me stresse quand c'est au milieu. Et on commence. Donc, on commence facile. Alors, la sortie est là-haut, ok. Apparemment, cette map aventure c'est plutôt du jump que de la réflexion. Wow, ok. Ah, oh, c'est impressionnant. C'est pas dur, mais c'est pas mal. Donc, hop. Bon, salle 1 torchée. Ouf. Yeah. Yeah. Alors, bon, là, voilà, je suppose qu'il y a un même carte. Bon, a priori. C'est des rails électriques. Yeah! Ça marche jamais. Je sais pas vous. J'ai essayé de mettre des rails électriques dans mes maps. Et ça ne fonctionne quasiment jamais. Ou une fois sur deux. Je comprends pas le pattern. Je comprends rien. On met le minecart dedans. Dessus. On se met dedans le minecart. On actionne l'interrupteur. Et puis le truc il part. Moi ça part pas. Tu vois. Faudrait que je m'y penche un petit peu mieux. Hop. Débutant. Est-ce qu'il y a d'autres? D'accord. Je rate même le débutant, là, je suis pas deux. Ah non, pro c'est pas là. Ah tranquille, pro. Ok, j'ai rien dit. On va passer par le débutant. Oh la honte. De toute façon, si c'est trop la honte, je coupe au montage et puis vous le verrez jamais de toute façon. C'est moi le maître de la vidéo. Voilà. Salle 4. Ça va vite seulement. Ouh! C'est drôle ça, c'est quoi ça? C'est de la pile à Julie? C'est plutôt moche. Oui, il faut pas détruire les blocs, mais bon. Ça m'intrigue de savoir ce que c'est, mais si ça met tant de temps, je pense que c'est de la pile à Julie. Ok. Oh, un coffre. Oh yes, un diamant. Je sais pas si ça sert. C'est peut-être des trucs bonus. Ne pas ouvrir les trappes. Ah, on peut sauter sur les tranches, c'est facile. J'ai tendance à vouloir aller un peu vite. Ok. Voilà. Alors, salle 5. D'accord. Ah, c'est du Soul Sand. Ah merde. Ah, je déteste ça. J'avais fait une map aventure qui ressemblait à ça. Il y avait du Soul Sand et puis c'était impossible de sauter. Ça va vraiment pire. Alors, le timing pour le saut, c'est vraiment terrible.
Ah. Je vais pas rester bloqué par un petit trou de casse quand même. Concentration. Ça va vite m'énerver ça. Ma patience a des limites. Bon, je crois que je vais faire une ellipse le temps que j'arrive, parce que vous avez compris le principe. C'est juste que c'est dur d'avoir le bon timing de saut. Bon. Ah, bon, tant pis, ellipse. Ce coup-ci, c'est le bon. Allez, allez, allez! Ah, j'ai réussi! Ça, c'était bon. Ça fait du bien quand on réussit quand même. Ah là là. Celle-ci. Oh non, rien. Déjà, si moi je vois pas, alors vous, ça va être terrible. J'ai l'impression que quand je prends des vidéos sur... Aïe. Ah, c'est des cactus. Quand je prends des vidéos sur l'ordi, ça diminue déjà la luminosité par rapport à ce que je vois moi. Aïe. Un coffre. Yeah. Là, y a rien, on voit que là, il y a des trous dans le sol en plus. Et c'est de la glace, par contre. Ah, c'est bon. Hop. Voilà. Oh, cochon! Sale sac. Cochon! Oh mon dieu. Hop. Je peux toujours faire ailleurs. Bureau de Mr. Piggy. Ah ouais, d'accord. Oh, la galère. Bon, allez, sérieux. On va jamais se sortir. Oh. Je sens que je vais être obligé de faire une ellipse aussi, parce que... Je galère toujours avec le saut d'échelle, comme ça. Ah, pour l'instant, ça marche pas trop mal. Oh. Je suppose que si vous me regardez moi, vous regardez aussi les vidéos de The Fantasio 974. Quand il fait des trucs aventure et qu'il tombe sans arrêt, on se moque de lui, pourtant c'est pas facile. Hein. Ah, même endroit tout à l'heure. Pourtant c'est vraiment pas facile, il n'y a pas de quoi se moquer. Je vais peut-être devoir faire une ellipse. Parce que mine de rien, mon temps sur YouTube est limité à 15 minutes. Pas comme certains peuvent faire un peu plus. Mais moi... Ah yes! Je dis pas grand chose, je suis concentré là. Ah! C'est ça. Par où? Oh, un docteur. Allez, je suis si près du but. Ouais. Non! Oh! J'ai pleuré. Ah, c'est terrible. Allez, on se torche. Bon. Félix. Et puis qu'est-ce que c'est que ce tableau? Oh, ça m'a dégoûté quand je suis tombé devant la porte.
Mais là, c'est la bonne, je le sens. Yes! Voilà. Ah, il fait jour, c'est beau. Pas besoin de ça, hein. On va faire le mien. Mince. Il fait jour. Qu'est-ce que je fais? Bon, je continue comme ça. Pas besoin de checkpoint, je suis un pro. 5-9. Oh là là. Facile celle-là. Alors. Ah, bah, une sortie est là. Ah, je peux pas y aller. Ah. Et là, je suis trop loin. Oh là là, ça va être beau ça. Attention les yeux. Et voilà. Maintenant, je suppose qu'on va ici. Et on s'ouvre pas à la porte. Très bien. Ça y est, je me sens fort là. Après le coup du cactus. Ouais, c'est pas mal fait tout ça. C'est une map qui est plutôt sympathique. Faite par des Français, bon, les panneaux français c'est sympathique, hein, on va dire. Parce que en anglais, je comprends très bien l'anglais, mais bon. C'est agréable de parler dans notre langue aussi, parfois. Alors. Oh non! Voilà la toile d'araignée. Je commence à atteindre la limite des 15 minutes, je pense. Je me rends pas bien compte. Parce que j'ai pas de timer ni rien. Mais. Oui. Mais c'est possible que je fasse une coupure. Je sais pas si je ferai la suite. Si je posterai la suite, mais en tout cas. C'était un aperçu de cette map aventure que je vous fais. Et la conclusion, c'est qu'elle est, elle a l'air bien. Il y a des maps qui sont plutôt réflexion et des maps qui sont plutôt action et jump. Celle-là, c'est plutôt du jump. Ce qui est agréable aussi parfois. Hein. On va pas s'en plaindre. Ah, mais c'est par là. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Du coup, voilà, mon avis est positif. Et je ferai peut-être la suite si je trouve des salles intéressantes. Oh, tu peux une encore. Il fait nuit? Non. Tant pis. Du coup, je vais peut-être attendre la nuit pour faire le checkpoint. Ellipse. Le temps du checkpoint. Ou alors fin de la vidéo et fin de la map aventure, si je trouve que les salles suivantes sont pas super intéressantes. Voilà. Mes débuts dans la vidéo de la map aventure. Et à vous les studios. Et j'ai oublié de dire quelque chose de crucial. Tout simplement de dire que cette map s'appelle Myth et a été réalisée par trois auteurs français, dont les pseudos sont Maya Riri, Iseo et Kiyoshi. Voilà, donc merci à eux d'avoir fait une map aventure qui a l'air longue. Donc, j'en ai fait quoi, les 10 premiers niveaux, les 12 premiers niveaux, et il y en a 66, je vais vérifier. Donc, merci à eux. À vous les studios, et à bientôt pour une prochaine vidéo.